Rendez-vous, installez-vous confortablement. Ce match va bientôt démarrer. À l'affiche aujourd'hui, le Pays de Galles contre la Belgique. C'est avec vous. Et puis quelle frappe! Oh, je vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Sans se poser de questions. Il est à distance de tir. Ça doit faire but. Ça rentre! Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Perdu. Hazard. Vite seul. Il joue dans l'espace. L'occasion. Ça fait but. Quelle force de caractère. Et à mon avis, ils vont pas en rester là. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. La passe était millimétrée. Elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Une demi-heure de jeu déjà écoulée. Dans le dos de la défense, ça sent la frappe. Et il trompe le gardien. Et il passe devant. Oh, c'était jamais facile les face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. C'est super bien joué ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Tableau d'affichage, un seul petit but les sépare. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Ledley reçoit le ballon en profondeur sur l'aile. Et ça rentre! Ils creusent l'écart, ils ont maintenant deux buts d'avance. Jouer long, attention. Dans la profondeur, sur le côté. Allez jusqu'au bout. Il peut récupérer, deuxième chance. Et c'est le but. Trois buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Courtois, qui est bien malheureux sur cette action. C'est vrai que c'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. C'est très simple, hein. Il le donne le tournis depuis le début de ce match. Il y rend fou. Le petit 1-2. Attention! Et ça venait de loin, il répond présent. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Aucune contestation après cette victoire, une véritable démonstration offensive aujourd'hui. Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est...